Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est samedi le 18 mars. Puis j'ai bien dormi, je suis tellement contente d'avoir bien dormi. Mais là, il est 8h25, je suis la seule de lever. Tout le monde dort, Lucas, mon chum, Katia. Tu as donné son Prevacid, c'est parce qu'il agit pendant qu'elle dort. Mais là, c'est tout tranquille, la maison, je trouve ça drôle. Ah, Katia se réveille. Fait que c'est ça, il y en a une belle soirée encore. Mon chum a fait des pâtes au pesto. C'était vraiment bon. Il était bon, tu sais, on n'avait pas mangé. Puis, moi, pendant ça, je donnais le bain à Katia. Fait que c'est ça. On a mangé les pâtes au pesto. On avait acheté les millefeuilles au Costco. C'était vraiment bon. C'est notre dessert. Puis, bon, on est allé faire du skido en soirée. On est allé faire du skido vers 7h30. Puis, c'est ça. Moi, puis mon chum. Puis, Nick, après, lui, il est parti. Il avait il allait au Dolez avec Sam, John, Pam, Max, Kevin, leur ami, puis Nick, qui est allé là hier soir au Dolez. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est relax. Oh, je sais pas ce qu'on va faire. On a d'abord le fun de prendre ça relax. Fait que je vous parle. Hey, 9h moins 10. Elle est encore couchée. Là, j'ai changé sa couche, j'ai donné son jus d'orange, elle l'a pris. Veux-tu ton pédiatre? Il est gros fatigué, Kato! Je fais, ben, te reposer, ça va être la mienne. Allô? Allô? T'en as pas des beaux yeux, Katou? Oh! Comment elle va, la belle fille? Allô? Allô, Katia? Ça paraît, t'as bien dormi? Ouais, t'as des beaux yeux! Des beaux yeux, t'es cute. T'es cute, oui, t'es cute, tu ris! T'es pas mal cute! Allô, mon petit pépino, maman. Allô. Tu es bébé, je t'aime. T'es ton maman. Donne-toi un bisou. Je t'aime. Encore un bisou. Je t'aime. Il est rendu presque 2h. On a dîné. J'ai aidé Lucas avec son exposé oral. Il faut qu'il prépare comme c'est ce qu'il va dire, tout ça. Sur le livre qu'on a acheté l'autre fois, là. Puis, j'ai parti mon souper. Je fais du filet de porc dans la mijoteuse avec la recette de vin blanc. Le Pam est ici. Minette est allée voir Nick en bas. Puis nous, on va aller au bon souper de Napi après. Fait que c'est cool! Bonne nuit, Katou. Bonne nuit. Je découvre. Bonne nuit. Ouais, fatigué beaucoup, beaucoup. Elle fatigue beaucoup, beaucoup la petite fille qui a pas dormi de la nuit. Oui. Oh. Oh, tu es chaud. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va bien.
On est rendu dimanche, le 19 décembre. 19 décembre. Hey, je suis allée 19 mars. Je sais pas pourquoi je passe au mois de décembre. Ouais, on est arrivé d'être le printemps. Cathy, elle a pas dormi de la nuit. Vraiment pas. Fait que là, matin, elle est full fatiguée. Elle veut pas manger. Elle prend pas ses pédiatres, mais après un jus d'orange. Ouais, après ça, un jus d'orange. Là, je vais vous raconter. Hier soir, on est allé faire du skidoo. On est revenu. On a écouté un film, c'était vraiment bon. Puis Cathy l'a veillé avec nous autres sur le divan. On l'a couché quand même, il était 9h. Mais c'est ça. C'était ça, ben, elle n'a pas dormi. Là. Elle était tout le temps réveillée. Puis, ben là, matin, c'est ça, sa couche avait vraiment tout débordé. Fait que là, on l'a tout mis dans le bain. Fait que là, dans le bain, elle a pris un peu de pédiatre, puis elle a mangé quelques bouchées de céréales, mais elle n'a pas fini son plat. Puis là, elle veut pas. Elle n'a pas pris de pédiatre, elle veut juste dormir. Fait que là, elle dort. Après ça, on a pris notre café, j'ai aidé Lucas à faire ses devoirs. Puis après ça, j'ai pris du linge. En tout cas, on a pris ça relax, on faisait nos petites tâches tranquilles. Puis là, je suis allée voir, parce que là, on a décidé qu'on fêterait Pam mercredi de sa fête, le 29 mars. J'ai dit, tu veux-tu qu'on te fasse un souper de fête le dimanche ou le mercredi? Là, elle préférait le mercredi, la journée de sa fête. Ben, puis notre fête. Puis là, j'ai dit, ouais, tu veux aller au resto ou tu veux qu'on fasse un souper à la maison? Elle préfère un souper à la maison. Puis elle voulait finalement du poulet général Tao. Fait que, en plus, c'est mon chum qui cuisine ça d'habitude. Fait que, mon chum va cuisiner une grosse batch de poulet général Tao. Les enfants vont tous venir manger. On va fêter Pam. Fait que là, aujourd'hui, j'ai dit, je vais aller voir les décos que j'ai. Parce que moi, quand il y a des décorations, je vois des belles décos pas chères. J'en achète, tu sais, au de l'eau. Puis là, ben, je dois aller voir dans ma réserve. Puis là, ben, finalement, j'en ai que des pas pires, là. J'avais pas besoin de m'acheter grand chose, là, pour faire un beau décor. Fait que. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je vais pas décorer pour sa fête. Puis là, ben, après-midi, moi puis Pam, on est supposé aller au magasin vers 2h. Parce que moi, je vais m'acheter un beau kit pour ma fête, puis elle et tout avec vous magasiner. Fait que, après-midi, moi puis Pam, on va aller au magasin. Je me décide à venir m'habiller. C'est rendu 1h45. Je suis pas encore habillée. Pam, ça vient me chercher. C'est parce que là, Cathy, elle veut vraiment pas manger. Elle veut pas prendre de pédiatre. Elle adore beaucoup. Il y a des débordements. Ça m'a fait un gros débordement de pipi. Puis là encore, elle en avait. Puis elle avait quasiment pas bu un matin. Fait que là, j'ai dit, coudon, tu fais une crise d'ennui finalement. Parce que je sais qu'elle a pas dormi de la nuit. C'est genre, j'ai checké vite qu'est-ce qu'elle avait filmé d'ennui. Mais ça, elle faisait pas de bruit, là. C'est juste qu'elle était comme en position fœtale, elle se redressait, elle faisait du son, elle s'accouchait, elle s'enlevait, tu vois, comme ça, elle était pas bien. Puis j'ai checké la vidéo, en tout cas, puis elle semble pas avoir fait de crise, par exemple, elle semble pas en avoir fait. Mais c'est ça. Et là, elle agit vraiment comme si elle avait fait une crise, par exemple. Fait que là, c'est ça. C'est quand même long de checker la vidéo en détail, là. Là, je voulais faire ça. Pour être sûre des fois qu'elle avait vraiment pas fait de crise puis on avait passé à côté. C'est ça. Puis là, je viens m'habiller. Là, j'ai utilisé mon shampoing bleu. J'ai utilisé une fois par semaine. Puis Lucas a trouvé mes cheveux. Et on dirait que si elle est blondie, c'est le fun. On dirait que ça fait un beau blond. Fait que ça veut dire que ça paraît utiliser le shampoing bleu. Puis là, ben c'est ça, j'ai fait du casse-tête. Mais c'est pas une petite journée, mais ça me relaxe comme ça, pareil, même si c'est. C'est Cathy, elle file pas terrible, là, fait qu'on. On s'adapte à elle encore une fois. Mais là, moi, c'est ça, je m'en vais au magasin avec Pam, au moins, ça me change les idées. Fait que. C'est ça. Fait que je vous retiens au courant, parce que là, j'allais me trouver de quoi pour ma fête. Fait que là, on vient au tir. On va goûter au beignes puis aux biscuits de. Qui font de Pâques. On va voir, ben j'espère qu'il va en avoir. Là. Puis après, on va au mot de choc, Pam. Ouais. On va aller au mot de choc. Finalement, je me suis trouvé deux blouses. Oh. Et de même.
3-2. Le 3 quoi? 3 beignes. Okay. Je vais comment? Allô, il va avoir 3 beignes Cadbury. Oui, en fait. 2 biscuits Cadbury. Malheureusement, il m'en reste seulement un. Ah, ben, on prend un. Avec 3 beignes. Oui. Puis je vais prendre un petit café glacé. Petit café glacé, bien. Puis un très grand chocolat chaud blanc. Regardez ça, c'est beau! J'ai hâte de goûter! Le seul biscuit, on avait demandé deux, mais finalement, il en restait juste un. Ça va être deux. Deux biscuits à la gang, hein? Oh! Biscuit! Il est moins cute. Ah, il est moins cute. Il n'a même pas dans le sens. Je suis revenue du magasinage avec Pam. Ça a été une belle après-midi. On est parti de 2h de 2h à 4h30. Puis là, on l'a reparti, mais on a pris le temps de goûter avec elle les beignes, les biscuits. Puis je pense que ça serait à faire, on prendrait les biscuits. En plus, on a eu le biscuit. On avait eu le biscuit chaud. Là, c'est sûr qu'on est allé au mois de choc après. Le biscuit était plus chaud, mais on l'a refait réchauffer au micro-ondes, un peu 8 secondes. C'était bon. Fait que la prochaine fois, je vais opter plus pour les biscuits que le beignes. Le beignes, il n'y a pas de crème dedans. Ça nous a un petit peu déçus. Mais le goût était quand même bon, mais c'est ça. Pour la prochaine fois, on a eu plus un coup de cœur pour les biscuits. Là, Lucas, lui, est parti faire discuter avec mon chum. Mais là, on ne mangera pas de ça, vu qu'on a comme pris un chocolat chaud plus tard. Puis on vient de prendre le chocolat chaud biscuit beignes. On va un peu plus tard. Ça va être des hot chicken poutine. Fait que ça va être bon. Puis, le magasin, j'étais vraiment le fun. Mais tu sais, j'ai pas trouvé rien comme tel pour dire d'accrocheur, là. Mais, en tout cas, au Redman, j'ai trouvé deux blouses. Au mode shop, finalement, j'ai acheté le gilet noir. J'aimais les deux blouses, j'ai essayé, mais là, je trouvais que ça montait. Ça aurait monté rien que ça, 58$ pour les deux blouses, en tout cas. J'essaie de les laisser là, là. Parce qu'on est allé au Winners, puis au Winners, j'ai vu une belle blouse blanche. Calvin Klein était 35$. Je me disais à ce moment-là, j'irais pas chercher plus elle au lieu de n'acheter deux. En tout cas. Fait que c'est ça, le café, il paraît qu'elle a refait une selle après-midi. En tout cas, elle a tous les symptômes de quelqu'un qui a convulsé, là. Tu sais, il y a une machine à caca, des versements de pipi, elle mange pas, elle nous a prendre ses pédiatres, mais là, je viens de donner deux clémentines. Elle a pris deux clémentines, fait que c'est ça de gagner. Puis il fait beau, soleil, c'est le fun, il vend vraiment beaucoup. Fait que là, je vais vous montrer mes achats. Finalement, j'ai opté ce petit gilet-là au mois de choc, il était 23$. Je trouvais qu'il faisait vraiment cute. En tout cas, j'ai acheté ça. Ensuite, au Redman, j'ai acheté cette petite blouse-là. Je trouve que pour le printemps, c'est parfait. C'est pas trop épais. C'est quand même manche longue. Avec les petits frisons dans le bas, avec les petits cordons. J'aimais ça. Je l'ai essayé. Ça me faisait vraiment bien. Pam aussi a trouvé ça. Puis ça, c'était 25$. Ouais, 25$. J'ai acheté ça. Puis ensuite, j'ai acheté ça. C'est la même couleur, mais ça, c'est plus pour l'été. C'est juste un 97, de toute façon. Je pouvais pas bien le laisser là. Regardez. Hop, c'est à l'envers. Ça, j'ai choisi. Une petite blouse à I9 pour 10$. Là. Je me disais avec l'été, là. Tu sais, ça n'a pas de manche dans le fond. Là. Ça n'a pas de manche, je sais pas si vous voyez. Là. Les petites épaulettes en plus. Fait qu'en tout cas, je trouvais ça pas pire. Puis ensuite, au Wina, j'ai acheté des beaux linges à vaisselle. Moi, j'aime ça avoir des linges à chaque saison, à chaque fête. Là, j'avais pas encore acheté eux de Pâques. Fait que là, j'ai acheté ceux-là. C'était 10$ pour deux. On a 5$, mais j'en ai donné un à Pam. J'ai acheté aussi ceux-là. J'ai trouvé full cute aussi. Les autres aussi, c'était 10$. Mais là, je sais pas si Sabrina va l'aimer. Je pensais en donner un à Sab dans lui. Mais Sab, elle ne trippe pas ses papillons. Je pense pas qu'elle trippe d'en avoir un.
Peut-être bien, en tout cas, je sais pas trop. Peut-être bien donner à lui un cadeau de part. Je vais voir, en tout cas. Avec ça, j'ai acheté. C'est ça qu'il faut que je vous compte. Au Redman, au Winners, elle demande si je voulais un sac. Je dis non, je vais le mettre. Je vais le mettre dans mon sac Redman. J'avais déjà acheté les vélos, je vais le mettre là-dedans, ça va être correct. Fait que là, je m'en vais, j'étais rendue où l'aller. Là, j'essaie de rentrer les linges dans le sac. Le sac déchire, j'étais là, oh non! Fait que, en tout cas, je vais les amener dans ma main. Et d'un coup, hey, ça, c'est du service à la clientèle vrai, là. D'un coup, il y a une vendeuse qui arrive. Elle dit, tiens, madame, elle avait un sac de plastique pour moi, de Winners. J'étais là, hey, merci, genre, je n'en revenais pas, je savais pas que quelqu'un m'avait vu. Fait que, hey, là, j'étais contente. Fait que j'ai eu un sac que j'ai pu mettre mon linge. Là, ben, lui, il était brisé, hein. Il avait brisé. Hey, là, j'ai trouvé ça dur, ça me clientèle ça, et là, j'étais vraiment contente de ça. Bon, puis au-delà. Au-delà. Là, j'ai acheté plein d'affaires de porc. Là, je vous montre. Mais là, j'ai acheté ça. Une petite poule en chocolat. Ça, ça va être pour mettre. Mais ma belle-mère fait ça. Je trouve ça cute comme idée. Elle fait un gâteau. Puis là, elle met une poule dessus, comme ça, en chocolat, sur le gâteau. Puis elle met des petits œufs de porc. Je trouve que ça fait un beau gâteau de porc vite fait. Là, je vais acheter toute ma poule. Oh, c'est quand même 4,25. J'avais pas vu le prix. Ça semble que c'est cher, en tout cas. Fait que ma poule est déjà achetée. Ensuite, là, j'ai acheté ça, j'ai acheté cette guirlande-là. Je trouvais ça cute. Fait que je vais continuer à décorer pour Pâques demain. Ça, c'était 1,75. Je trouvais ça bien cute, ça. J'ai acheté ça aussi. Je trouvais ça vraiment beau. Décorer, là. Soit tu mets sur ta table ou, soit tu mets sur ta table décorée pour Pâques ou tu décores, tu mets ça au travers de tes décorations, là. Fait que ça, j'ai acheté. J'ai racheté la paille demain. Je sais pas si tu m'en manquais. Pas jaune. Ça devait être une pièce, il n'y a pas de prix. Ah, c'est là. Je vois le prix, là. Il est 25, je crois. Ah, il est 25. OK. J'ai aussi acheté cette guirlande-là en lapin, que je trouvais cute. Ça, c'est 3 pièces, par exemple. C'est un peu plus cher. J'ai acheté cette guirlande-là aussi. Ça, j'aimerais ça mettre ça sur ma table, peut-être. Est-ce que je vais voir ça tout à l'heure? Ouais, ça, je trouvais ça vraiment cute, cette guirlande-là. Je sais pas, je vais la décorer en haut, mon lustre, parce que là, mon lustre, il est pas encore décoré. Ou je vais la garder mettre sur ma table dans le centre, ma table pour le souper de Pâques. Ça serait vraiment bien. Ça, c'était 3 pièces. Ensuite, j'ai acheté ma nappe de Pâques. Je l'ai pris unie comme ça, avec de la couleur dessus, ça va être beau, là, je me dis. Ça, c'était-tu 4 pièces, OK? Que j'ai ma nappe. Ça, j'ai acheté ça, je trouvais ça trop cute. Je sais pas, je vais donner à Lucas ou à Katia, là. Ça, c'était 4 piastres, le gros. Donc, ça, j'ai acheté ces petits œufs-là, mais dans le petit arbre de porc que j'ai acheté, là. Ça, c'était 1,75. Puis, regardez les petits porte-clés de poussin. Trop cute. Là, je n'ai pris un rose et un blanc. Il y en a un valet à 400, puis sûrement l'autre à Pam, parce que Pam, c'est Pam qui les a vus à tomber en amour. Ça, c'était 2,25. Dans le panier de porc à Pam, là. Je vais voir. C'est cute, hein? Fait que c'est ça, mes achats! Voilà, toutes les affaires de porc! Hey, là, on capote. On entendait le pas se demander ce qui se passait. C'est le bain qu'on tue, qui arrête tout seul. J'ai pas touché, d'ailleurs. Il va repartir. Là, finalement, il a pas reparti. On sait pas pourquoi, mais là, il n'est pas reparti. Il est capoté. Ça okay? Se demande ce qui se passait. Il y a eu de repartir tout seul. Je sais pas si c'est pour partir. De toute façon, je suis assise sur le divan avec Katia. D'un coup, j'entends un bruit. Là, la télé était ouverte. J'entendais pas parfaitement. Moi, je faisais un montage. Mais là, pour aller, c'était le bain qui était parti sur. Je l'arrête, il repart. Je l'arrête, il repart. Je l'arrête. Mais là, il a pris un bout à repartir. Je suis montée en haut avec Lucas pour faire encore un pot d'expose. Son exposé oral, préparation de son exposé. On entend le bain partir. Il est reparti. Là, je l'ai arrêté.
C'est bizarre, là. Je comprends pas ce qu'il y a. Bon, ben, il est 9h. Là, je me couche. Je suis fatiguée. Puis le bain, il a pas reparti. Il a pas reparti tout seul, là. Je sais pas ce qu'il a pris, là. Je comprends rien. Il a fait la purge, mais il a dit. La purge? Ouais, il a dit que c'est normal puis que c'était automatique. Ouais, non, mais c'est pas la première fois qu'il fait ça depuis qu'on l'a. Peut-être justement, c'est que c'est la première fois qu'il faut que ça le fasse. Mais automatique, je comprends pas. Mais là, ça le fait combien de fois? Ça veut-tu dire que vraiment c'est ça? Il est parti que quasiment au moins 4-5 fois tout seul? Mais moi, je pense. Ben oui, c'est que tu l'arrêtais, je pense, c'est un flux que tu laisses. Ah, peut-être. C'est pour ça qu'il repartit plein de fois et il continue à essayer. Ah, c'est pas bien. En tout cas, j'espère que c'est ça. Là, Lucas, vous entendez Lucas, parce que l'on lui a permis de dormir dans notre chambre. Il voudrait tout le temps dormir dans notre chambre. On lui a permis, là, parce que là, la fin de semaine finie. Parce que là, il a trouvé sa fin de semaine plate, qu'il dit. Fait qu'au moins, ça va bien finir sa fin de semaine. On l'a mieux la finir. C'est vrai qu'on n'a pas fait de grande activité, mais moi, j'ai trouvé que ça a été parfait comme fin de semaine. Genre, ça, j'avais besoin de ça, là. Puis. On l'a fait de ta fin de semaine. Hein? On l'a fait de ta. Là, je suis allée magasiner. Pour dire le fait d'être tranquille, Katia qui. C'est que ça a été quand même bizarre aujourd'hui. J'avais pas vraiment d'énergie. Là, il se divague mon chat, là. Moi, là. J'ai gardé Katou. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hier, il l'a gardé un peu, c'est vrai. On l'a fait garder un peu. Ben, Katou était dans sa chambre, là. Fait qu'on l'a. Voyons. On l'habitue tranquillement. Des petites responsabilités. Il était bon. Il était vraiment bon. Fait que. C'est ça. Parce que. Comment tu faisais pour savoir que j'étais bon, vous m'avez espionné? Mais non, mais t'as pas. Toi, t'étais, tu te sentais capable, je veux dire. Ah, ok. Dans ce sens-là. Puis, à part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu le fil. Ah, ben, c'est ça, Katia, se disait que son papa, là, elle colle son papa. Finalement, elle voulait rien manger aujourd'hui, je l'ai nourrie à seringue. J'ai donné une tasse de serre de bébé à seringue, puis elle s'ouvrait la bouche bien grande, là. J'ai donné. Deux sachets de compote de pommes à seringue. J'ai donné du yogourt à vanille à seringue. J'ai donné un demi. Non, le pédiatre a fini par le prendre, mais il fallait acheter un gobelet, elle ne tenait pas sinon. Puis, fait qu'au moins, elle a mangé ça, elle a bu pas mal d'eau. Mais elle a refait. Quand j'étais allée au magasin, elle a fait une selle à mon chum. J'étais contente de m'en avoir sauvé. Mais après le souper, elle a refait un autre tas. C'est bizarre, c'est ça. En tout cas, j'espère qu'elle va bien dormir, la petite cocotte. Puis, ben c'est ça. Puis là, je me couche. On va se prendre ça cool, ben pas cool, mais relax là. On va jaser un peu moins plus calme, puis on va s'endormir là. Demain c'est lundi. Puis là, ben j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se tramer. Ça va être en fin de semaine, quand c'est ma fête. Et maman doit avoir hâte. Ouais. Moi, le truc que j'aime pas des surprises, ouais. C'est quand c'est plus des surprises, c'est quand elle dit qu'on va en avoir une. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Mais moi, je suis contente de savoir qu'il se trame quelque chose. Moi, parce que moi, apparemment, j'ai mieux avoir la surprise qu'au complexe, savoir qu'il y a quelque chose. On dirait que tu es moins surpris. Tu es comme, hein, je savais pas que c'était ça. Mais maintenant, ça, tu savais qu'il y avait quelque chose. Après, moi, quand je sais qu'il y a quelque chose, je suis pas capable de me convaincre. Je suis comme, mais c'est quoi? Ouais. Puis c'est plein de trucs. Fait que moi, si vous me faites une surprise, je veux même pas que vous me le dites. Fait que c'est ça, c'est encourageant en fin de semaine, tu sais, on va avoir en fin de semaine. Puis après ça, mercredi, ben, c'est notre fête, moi puis Pam. Pam est en congé, puis on va faire de quoi dans la journée. Puis le soir, ben, on va fêter en faisant un souper de fête pour Pam, parce qu'elle est tout, hein. Puis là, ben, elle avait demandé du général Tao, mais je sais pas si je vous l'ai dit. Sans ça, je me répète, là, j'oublie le fil. Fait que c'est ça. Fait que à soir, je pense à conclure. Fait que je vous dis, ben, à demain pour une autre journée. Bye! Bye.